Hello tout le monde, voilà notre petite maison, le salon, la cuisine, la partie cuisine, l'entrée avec la salle de bain. Petite salle de bain pour une grande maison. Et l'étage. Coucou David. Alors c'est parti, les escaliers. Alors ce matin, nous allons visiter la ville de Trondheim dans laquelle on est arrivé hier. On a pris le temps ce matin de se lever. Donc là, il y a une première chambre. Donc ce matin, on était réveillé avec David à 4h du matin parce que le soleil se couche à le petit coin de Nathan. Le soleil se couche à 22h30 et se lève à 4h. Donc ce matin, à 4h, on était debout. Et voilà, donc vous voyez les deux chambres. Et quand on est arrivé ce matin, enfin hier, je vais pas y arriver, quand on est arrivé hier, on a vu cette petite map où chaque visiteur qui vient ici met sa petite punaise et nous il n'y avait personne. Donc on l'a mis. T'as pas fait la sonnerie à la coréenne? En rentrant. Notre petite maison? Papy et mamie, ils sont déjà dans le jacuzzi. Faut tourner la clé une fois et ça fait tululune. Là, essaye de rouvrir. Elle lève la poignée en haut. Ah ben d'habitude c'est moi qui ai avec les serrures un problème. Voilà. Voilà. Comment t'as fait? Il faut appuyer sur n'importe quelle touche. Bon, c'est bon, ça va. Hop, pétard. Alors, papy et mamie, on tente le jacuzzi? On va rigoler demain avec les valises. Alors, notre bolide? Le voici. David, t'es content de ta voiture? Non. Non. Et papy, il va acheter là-haut? Thank you.
Voilà pour nous. J'en ai terminé. On est rentré à 17h30 de Trondheim. En revenant, on a fait les courses pour ce soir, pour être tranquille, pour pouvoir se reposer. On a bien profité de notre balade dans la ville. Je pense qu'il faut compter 2 jours pour visiter Trondheim, c'est suffisant. On est rentré en plus juste au moment où il commençait à bien pleuvoir. Donc on a profité de la journée au maximum dans la ville avec le beau temps. Et demain, c'est direction Kristiansand. Bonne soirée, salut!